Bonjour à tous, je voulais créer ce petit atelier pour vous en faire profiter. En fait, nous allons visiter votre maison intérieure pour pouvoir aller y faire des transformations. Il faut savoir que toute maison dans laquelle vous vivez correspond à votre maison intérieure et qu'en regardant le lieu où vous vivez, eh bien, ça en dit long sur vous. Donc, si vous avez envie de changer votre vie, de faire des transformations à l'extérieur, il va falloir commencer à le faire à l'intérieur de vous. Je vais vous guider sur une petite musique pour aller visiter cette maison et y faire toutes les transformations que vous voulez. Allez, c'est parti, on y va. Je vais vous demander de vous allonger. Voilà, le temps que vous preniez vos aises, vous pouvez stopper la vidéo et la reprendre en suivant. Je mets la musique. On y va. Voilà. Donc, installez-vous confortablement. Allongez-vous et fermez les yeux. Détendez-vous. Laissez tomber votre langue vers le bas dans votre bouche. Ça calme le mental. Ralentissez votre respiration. Inspire. Expire. Ayez conscience de votre respiration. Relaxez-vous. Connectez-vous à votre être intérieur dans le calme et la sérénité. Descendez à l'intérieur de vous. Relâchez tous vos muscles. Ralentissez votre respiration. Je vais maintenant vous demander d'imaginer sur votre écran de conscience la vision d'un paysage. Ce peut être un paysage que vous connaissez déjà ou complètement inconnu, complètement imaginé. Vous observez ce paysage et vous regardez tout autour de vous. Un beau paysage naturel. Vous regardez la végétation, le relief. Vous explorez ce paysage avec tous vos sens. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Y a-t-il des odeurs? Que ressentez-vous? Et dans ce paysage, vous découvrez votre maison. Regardez comment elle se situe. Que voyez-vous autour d'elle? Est-elle de plein pied? A-t-elle des étages? Ressentez l'ambiance, l'énergie qui entoure votre maison. Et prenez le temps d'explorer le cadre qui l'entoure.
Et je vais maintenant vous demander de vous diriger vers votre maison et d'entrer à l'intérieur. Et votre maison se compose de 4 pièces. Vous allez entrer dans la première pièce et elle représente votre physique. Ressentez-en l'ambiance, l'énergie. Observez les couleurs, les objets, les meubles, s'il y en a. Et prenez tout votre temps pour explorer les moindres recoins. Et quand vous avez terminé votre travail d'observation, réfléchissez aux changements que vous voulez accomplir dans cette pièce et mettez-les en application. Et quand vous avez terminé cette transformation, intégrez à l'intérieur de vous cette nouvelle image de votre physique. Et quand cela est terminé, vous pouvez sortir de cette première pièce et entrer dans la deuxième. Cette deuxième pièce est directement reliée à vos émotions. Découvrez cette pièce, faites votre travail d'observation. Prenez votre temps. Et utilisez tous vos sens pour explorer cette pièce. Et lorsque vous avez terminé ce travail d'observation, vous pouvez effectuer tous les changements, toutes les transformations que vous voulez opérer dans cette pièce.
Quand vous avez terminé cette transformation, vous pouvez intégrer cette nouvelle image de vos émotions. Vous sortez alors de cette deuxième pièce pour entrer dans la troisième pièce de votre maison qui correspond à votre mental. Dans le calme et le silence, vous observez cette pièce. La couleur ou les couleurs, la chaleur, l'ambiance, les objets, l'ordre dans lequel elle est rangée, etc. Observez avec tous vos sens. Que désirez-vous changer dans cette pièce qui vous convienne mieux? Opérez le travail de transformation. Lorsque les changements sont terminés, vous opérez en vous l'intégration de cette nouvelle image de votre mental. Et vous sortez de cette troisième pièce pour enfin entrer dans la quatrième, qui est en rapport avec votre spiritualité. Et commencez son exploration à votre rythme. Demandez-vous alors quel changement vous désirez y apporter et opérer les transformations que vous désirez. Une fois ce travail terminé, alors intégrez cette nouvelle image de votre spiritualité à l'intérieur de vous.
Et vous pouvez maintenant vous diriger vers la sortie de votre maison. Et observez si éventuellement des changements ont eu lieu, si votre maison est différente. Observez-la. Observez votre nouvelle maison. Et si vous avez le désir d'y apporter des transformations, prenez le temps de le faire. Vous pouvez effectuer des changements supplémentaires. Une fois terminé, intégrez l'image de votre nouvelle maison à l'intérieur de vous. Et sachez que le processus de transformation a commencé et va se poursuivre durant les prochains jours et semaines à venir. Alors soyez observateur des changements qui pourraient se produire dans votre vie. Et maintenant, revenez à vous, tout doucement, à votre présence dans cette pièce. Où vous êtes installé. Prenez conscience de votre environnement. Ouvrez les yeux tout doucement. Et reprenez contact avec la réalité à votre rythme. Et bienvenue dans votre nouvelle maison qui se situe à l'intérieur de vous. Vous pouvez reproduire ce petit atelier autant de fois que vous voulez et aller faire les transformations que vous désirez autant de fois que vous voulez. Soyez bien observateur dans les jours et les semaines à venir de ce qui pourrait se produire. Je vais éteindre la musique. Voilà. Voilà. Sachez que cet atelier vous a mis dans un état modifié de conscience et que c'est dans cet endroit-là qu'on ouvre la porte sur le subconscient et qu'on peut aller reprogrammer le cerveau. Et par rapport à des ateliers que j'ai déjà fait à ce sujet, en effet, certaines personnes ont modifié beaucoup de choses dans leur maison, dans les jours et les semaines qui ont suivi. C'est une façon de pouvoir vous transformer intérieurement et transformer aussi l'extérieur, votre maison. Il y en a même qui ont déménagé carrément. Voilà. Voilà, je voulais partager ça avec vous, à pratiquer sans modération. Je vous souhaite une bonne pratique et surtout une bonne transformation intérieure. Et je vous dis à bientôt pour d'autres ateliers ou d'autres vidéos. Au revoir. Ça ne marche plus.